Salut les amis, ça y est, putain, 30 balais dans la gueule, 30 putains d'années dans la gueule. Qu'est-ce qui m'arrive? Je sais pas ce qui m'arrive. Oh putain. Ah, c'est ça, prendre un coup de vieux. Ah la vache. Ouais, donc 30 ans. Putain. 30 ans, célibataire, sans enfant, complètement seul. Putain. Frappe plus chier celui-là, tiens. Oui, donc ça y est, voilà, 30 balais. Et dans ma solitude, eh ben, il me fallait un petit compagnon. Et en l'occurrence, eh ben, là, je possède un chat. Ou alors un poisson aussi, ça fait partie d'une compagnie. Mais bon, les chats ou les chiens sont de très bons compagnons. Et moi, j'ai un petit chat noir, donc prénommé Kylo. Et donc aujourd'hui, on va parler de nos amis les bêtes, les chats, ce que c'est de vivre avec un chat. Car croyez-moi, il y a des choses à dire. Allez, c'est parti! Alors oui, vivre avec un chat, c'est de l'expédition des fois. Alors moi, je vous présente le mien. Voilà, fais coucou à la caméra. Je vous présente Kylo. Alors pourquoi je l'ai appelé Kylo? Parce que bon, voilà, moi je suis un fan de Star Wars et je trouve que Kylo, comme Kylo Ren, et vu qu'il est noir, un peu côté obscur, et ben voilà, je l'ai appelé Kylo. Hein? T'aimes bien? Ou pas? Non? Tu t'en branles? Lui que j'ai 30 ans ou pas, il s'en bat les couilles, donc je le nourris, je le loge, puis qu'il dort. Hein? Bah oui, mon bébé. Donc tous ceux qui ont un chat comprendront cette vidéo, et en général, tous les matins, ça se passe comme ça. Ouais. J'arrive, Kylo. J'arrive. Oh putain. Bon bah ça va merde, j'arrive. Le chat prêt à défoncer la porte le matin, hein. Donc oui, alors le chat, c'est, il entend le bruit du frigo, donc forcément un chat qui entend le bruit du frigo, c'est limite s'il vous saute pas à la gorge, hein, ça peut finir des fois comme ça, hein. On est esclaves des chats, il faut l'avouer, on est des esclaves. Tant qu'il n'a pas sa bouffe, il va nous faire chier jusqu'au bout. Hein. Donc voilà. Que dire de d'autre sur les chats, à part que les chats, où vous y allez dans la maison, ils vous suivent partout. Même est-ce que jusque dans les toilettes. Alors des fois, c'est limite un peu gênant. Ah les chats, je te jure. Ah, t'es bien là-haut? T'es fier? Tu te sens fier là-haut là? Eh ouais, ils se sentent fiers. Ouais. Ah oui, parce que moi, ce petit fumier, il profite que je suis aux toilettes pour aller faire ses griffes sur mon canapé qui est déjà bien entamé. Donc souvent, ça finit comme ça. Kylo, les griffes! Kylo! Putain. Putain! Merde, le PQ. Kylo! Kylo, viens là! Viens voir papa! Viens voir! Viens! C'est pas grave, t'es noir, ça se verra pas! Viens! Alors, tout le monde dit qu'il est très important de jouer avec son chat. Moi, je joue beaucoup avec le mien. Hein. D'ailleurs, des fois, ça devient limite flippant parce que déjà, il est noir et en plus, en ces périodes d'hiver, eh ben, il fait nuit tôt. Donc, forcément, quand je joue avec lui, eh ben, c'est limite très 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 flippant et donc ça finit en mode commando predator quoi, un peu, voilà. Thank you.
plupart du temps, ça finit comme ça en général. Alors oui, les chats sont bien connus aussi pour foutre le bordel la nuit, mais je peux vous dire que le mien, bah, la nuit, il fait pas semblant, hein. Putain de sa mère. Bah. C'est quoi ce bordel? Bon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais il est sérieux lui? Mais il est sérieux ce chat? Kylo? Puis ça c'est quoi? Arrête, t'es sérieux, Caillou? Depuis quand tu bois du whisky? Oh ah, mais regardez-moi ça! 3h du matin! Ah, ça va, tu te mets bien, mon cochon! D'ailleurs, mon chat a joué déjà dans un film, et oui, souvenez-vous de Scary Movie 2, il a un très bon rôle là-dedans. C'est vrai, j'ai pas pu me retenir de faire dans ta litière. Aidez-moi! Monsieur le chat est devenu dingue! Ce qu'il y a bien avec les chats, c'est qu'ils savent quand ils ont fait une grosse connerie. Hein. Et souvent, en général, quand les chats font une connerie, bah, ça finit comme ça. Go. Oh mais putain! Mais l'autre, c'est un kamikaze, quoi. Oh, je suis désolée, mais... Kylo! Mimi! Oh putain! Donc voilà, tout ça pour dire qu'on aime les chats, quoi qu'ils fassent. Le mien est noir. On dit que les chats portent malheur, les chats noirs. Peut-être à cause de ça, en fait, que j'ai la poisse. Avec tout. En fait, c'est de ta faute. C'est de ta faute, Kylo. Je peux pas rester comme ça. Il faut que je t'élimine. Je crois que tu n'es comme ça, Kylo. Désolé. Hasta la vista, bébé. Mais non, il est toujours là, le petit Kylo. Oui, mais on ne voit pas, toi. Enfin, voilà, tout ça pour dire que les chats sont importants. Prenez soin de vos petits bébés. Nous apporte réconfort, compagnie dans votre solitude, dont j'en fais partie. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur les chats.
Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, t'as faim, toi. T'as toujours faim, toi. Je pense qu'à bouffer, toi. Allez, les amis. Ciao, ciao. Hey. J'ai pas envie de partir, hein. I'm gonna meow the f*** out of you. Meow. 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 No shit. Am I a cat? Meow. 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 What am I? Meow. Meow, bitch! Why did I waste my life making this video?